Est-ce qu'en l'état, l'administration pénitentiaire est prête à accueillir les revenants et d'éventuels nouveaux terroristes ? Ils attendent, mais a priori, il faut des aménagements techniques, c'est-à-dire qu'il faut éviter trop de distance entre les cellules et les lieux où ces gens pourront exercer du sport, la bibliothèque, etc., puisqu'il faut éviter au maximum qu'ils puissent circuler dans la prison, parce que ça suppose la mise à disposition d'énormément de personnel pour ces détenus très particuliers. Donc je pense qu'ils s'y préparent, ils savent que ça va arriver. D'ailleurs, ceux qui ne sont pas tout à fait confortables ici seront envoyés à Condé, parce que c'est exactement, les établissements sont jumeaux, hein, avec les mêmes organisations. Je crois que l'heure aujourd'hui est vraiment à la formation de ces personnels, et puis à un équilibre entre le droit des détenus qui est légitime et la protection des personnels pénitentiaires qui est essentielle puisqu'ils assurent notre sécurité et qu'ils sont aujourd'hui très très fragilisés dans l'exercice de leur métier.